Attention. Et clic! Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle série qui sort complètement de ce que vous pouvez voir d'habitude sur la chaîne Casu. Il s'agit d'un RPG sur PC qui s'appelle Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. Vous êtes donc la bienvenue pour ce nouveau jeu. Et pour le coup, on va vraiment se faire plaisir. Ça fait longtemps en fait que je voulais faire du RPG parce que, bah, bien entendu, c'est assez long comme jeu. Et en plus de ça, c'est toujours, comment dire, c'est toujours compliqué en fait de sortir un petit peu des sentiers battus, surtout quand on a un genre jeu d'objets cachés. Donc là, on va s'essayer, on va voir ce que ça donne. Si vous êtes réactif, eh ben, du coup, je continuerai l'aventure, sinon bah, on passera à autre chose. Je vous fais les voix françaises, hein, parce qu'il n'y a pas de voix. Cher enfant, nous séparer de toi nous a brisé le cœur. Mais si c'était le seul moyen de te protéger des ténèbres qui gangrenaient nos terres. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et à commenter. Abonne-toi. Lol. Quand tu partiras en quête de la vérité, fie-toi à cette boussole céleste pour te guider. Elle te fera traverser la mer, l'obscurité, la lumière. Mais elle te guidera toujours jusqu'à chez toi. Ah, Gemea. Ta 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 ta. Non, pas du tout. C'est pas du tout le Seigneur des Anneaux. Oh là là, je vous jure. En tout cas, pour une première approche, c'est assez joli, hein. Hop. Alors, donc voici notre super héros. Notre petit héros qui va donc aller retrouver sa terre natale. Alors, on peut pa parler aux différents personnages avec F. C'est incroyable! Je pensais que Gemean était un mythe. J'ai bien fait de sortir de la cuisine pour voir ça. Bon, j'y retourne parce que sinon je vais me faire couper les doigts. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Luffe le marin. On dirait que votre boussole indique cette nappe de brouillard. Ça a l'air épais, je ferais mieux de monter sonner la cloche. Non, on peut pas se passer par là. Ok. Alors la souris est un peu sensible. Du coup, j'ai déjà essayé un peu de la régler tout à l'heure, mais ça donne ce que ça donne. Ah. Alors la légende disait vrai, le royaume île existe pour de bon. Je me demande si nous y rencontrerons des créatures inconnues. Ben, j'espère. J'aimerais bien. Alors, on va parler au capitaine. Ah. Si votre boussole dit vrai, Gemea se trouve juste derrière cette nappe de brouillard. Bon. Vous êtes prêt à apercevoir enfin l'île? Ouais, allons-y. Waouh! Nous voilà donc arrivés. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Ce jeu. N'ayez crainte, augure d'esprit. Vos amis et vous êtes en sécurité. Vous les reverrez, mais vous devez d'abord accomplir une tâche. Je suis Aeri, autrefois fier protecteur de ces terres. Je vous attendais. Puis-je voir votre boussole? Désactiver cette tâche, afficher les détails, retour. C'est ce que je pensais, une boussole céleste. Utilisez-la si vous vous perdez. Elle vous guidera. Mais pour l'instant, votre chemin est jonché d'obstacles. Ma famille peut vous aider, mais elle est elle-même perdue.
Trouvez les membres de ma famille et ils vous ramèneront chez vous. À présent, augure d'esprit, réveillez-vous. Votre périple ne fait que commencer. What? What the fuck? Bonjour. Oh la vache, le bateau a été genre mais défoncé. Ok, bon bah on n'a plus qu'à partir à l'aventure, compagnon. Il y a une caisse là-bas. Non, je peux rien faire avec la caisse. Ramasser une pierre. On va ramasser une deuxième pierre, tiens. Quelle est cette étrange lueur bleutée? Oh, 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 oh! Un être humain! Ça fait bien longtemps que je n'en avais pas vu! Toutes les personnes qui pouvaient me parler sont parties! Aidez-moi à sortir d'ici, je vous en prie! Je ne veux plus être seul! On a découvert donc Lumi! Lumi a une petite elfe. Un petit truc qui ressemble à rien. Un petit elfe tout mignon. Oui, t'es tout mignon. Ah bah, il est parti. D'accord. Alors, continuons. Champignons. Vous avez ramassé champignons. Ouais, trop bien. Je sais pas à quoi ça va nous servir, mais autant se servir, hein. Hop. Alors, attendez, là, il y a une pierre. Je ramasse tout. Hein. Peut-être que le jeu va nous dire ah, fallait ramasser toutes les pierres. Hop. Pourquoi il y a de la lumière ici? Qu'est-ce que? La sortie est de l'autre côté de l'obscurité. Mais ce n'est pas bon pour vous, les autres, les humains. Je vais essayer de m'en débarrasser si j'y arrive tout seul. Ah, parce que je suis pas certain. Ah bah si, j'y suis arrivé. Ouf, ce n'était pas facile. J'aurais aimé avoir mes frères et sœurs à mes côtés. Si nous nous associons, nous pourrons sans doute les trouver. J'en ai rien à battre de toi. Moi, je veux sortir. Wow. Ah, c'est beau. C'est genre très très beau. Oh, oh, il y a un village là-bas. Allons voir ça. Vous n'avez vraiment pas bonne mine. On vous trouvera certainement de l'aide sur place. N'oubliez pas, si nous nous perdons, vous pouvez utiliser votre boussole céleste. Elle peut aussi vous servir pour planifier vos voyages. Alors, prenons la direction du village. D'accord. Donc, on est ici. Oh purée, il y a tout un système de production. C'est vrai, dans ce jeu, en fait, on va pouvoir restaurer un peu le village en mode, on va créer des choses, on va fabriquer, on va faire des ressources. Bref, ça a l'air assez hallucinant. Mais avant ça, il va falloir d'abord qu'on aille au village. Alors, on commence tout de suite l'exploration, hein, bien entendu, parce que c'est toujours bien d'explorer. Tiens, regarde. Vous avez découvert un 100 points rouge. Un 100 points rouge. À quoi ça sert? À se teindre les cheveux en rouge? Si c'est le cas, franchement, je... Lol. Alors, on va ramasser du bois. Là, une étrange truc bleuté. Comme ça.
Je vais ramasser des fleurs. Hein. Hop. Pourquoi tu râles? Où est-ce que t'es? Ah, t'es là. D'accord. Alors, on va utiliser la boussole parce que c'est quand même assez gigantesque. Ok. Ah, attends. Ah bah oui, si je loupe le bâton. Je sens qu'on va vraiment bien s'amuser sur ce jeu. Par contre, ça a l'air genre immense. Oh, yo, 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 yo. On va avoir des trucs à faire. Un villageois, ça se voit tout de suite qu'il a envie de parler. Fermons. Allez. Oh. Bonjour, voyageur. On dirait que vous avez traversé de grandes aventures. Ah. Entrez, je peux vous proposer de la nourriture chaude et un lit moelleux. Ah, c'est gentil. Les habitants de la ville vous accueillent chaleureusement. Vous avez le ventre plein et vos soucis s'estompent, vous vous endormez dès que votre tête touche l'oreiller. Tenez, c'est beaucoup mieux. Vous avez à nouveau l'air de taille à faire face au monde. Une dernière chose avant votre départ. Depuis ce terrible accident, il y a des années, des obscurités nous compliquent la vie un peu partout. Mais les habitants de la région sont amicaux et nous adorons partager nos connaissances. Demandez autour de vous et vous aurez bientôt toutes les compétences nécessaires pour progresser dans ce monde. Waouh. Alors attends. On a des trucs. On a des trucs. Alors. Ah, on peut vendre des choses. Pactage en toile, shampoing rouge, cheveux courts négligés. Ah, trop bien! Alors, objet clé, fabrication, on va pouvoir fabriquer des trucs. On a des trucs à faire. Bref, on a vraiment un jeu assez détaillé qu'on va pouvoir utiliser. Alors, maintenant... Maintenant. Pourquoi il y a plein de trucs sur le sol? Il y a quelqu'un qui a joué ici? Alors. Donc, M. Oh la vache! Alors je sais pas comment la carte... Ouais, la carte est genre immense. La région souffre. Donc on va essayer de soigner la région. On va essayer de sauver les gens. On va essayer de faire de notre mieux. Alors. Bonjour! Bonjour toi! La tempête qui a renversé votre navire a aussi détruit le quai Est. C'est un gros problème pour nous. Nous sommes une guilde marchande, vous comprenez? Sans le quai Est pour faire entrer des marchandises, nous ne pouvons pas vous aider. Voyons voir. Prenez cette masse et récoltez de la pierre pour Marina. 8 pierres devraient lui suffire pour mettre le quai Est d'aplomb. Vous trouverez de la pierre vers les prairies et les falaises. Ok, on a un outil. Oh, on peut casser de la pierre. Trop bien. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Je dois aller voir Marina. D'accord. Alors, je fais les quêtes au fur et à mesure. Hein. Bien entendu, je suis pas là pour... pour finir le jeu hyper rapidement. Sinon, ça a aucun intérêt, sincèrement. Le jeu a l'air quand même assez beau. Et je pense que vous avez tout comme moi envie de le faire tranquille. Alors là, il y a un coffre.
Lunettes à monture noire. Oh. Ça pourrait lui aller. Bonjour Marina. Oh. Et ça, ça va là. Et ça, ça va là. Ah, oh. Bien le bonjour. Oh, vous avez tout ce qu'il me faut pour finir. Ça sera mieux que de tout bricoler avec du bois flotté et des coquillages de crabes. Et des coquilles de crabes. Ça sera vite fini et le commerce pourra à nouveau circuler pour plus tard faire mot. Yes! On a réussi une quête. Oh, ça c'est la classe. Genre avec 8 cailloux, ils ont réussi à faire ça. Non mais genre. Le truc trop barbare quoi. Alors j'imagine que dans ce jeu il va falloir pas mal explorer. Il va y avoir pas mal de trucs. Petits secrets. Wouah. Ah oui d'accord, je dois pas aller dans l'eau. D'accord. On va ramasser tout ce qu'on peut ramasser de toute façon. Hein. C'est toujours utile. Il y a plein de quêtes partout. Mais... Alors, attendez. Ouais, c'est juste assez hallucinant en fait. Le jeu est vraiment... Est-ce qu'on peut frapper les caisses avec le marteau? Genre pour récupérer des trucs. Graines de myrtille. Eh ouais, on peut frapper des trucs. Donc il y avait des caisses par exemple dans le sol, dans le sous-sol. On pourrait peut-être y retourner. Alors... On va essayer de faire quand même assez vite parce que c'est les premières quêtes. J'imagine que vous avez envie que j'avance aussi pas mal. Alors, maintenant. F, interagir. Je suis à la recherche de tissu charbon. Si vous m'en rapportez, vous aurez une récompense. Non, je sais pas encore comment faire. Donc, pour l'instant... Bonjour. Ah. Il paraît que vous cherchez à mettre un toit sur votre tête. C'est votre genre de chance. La vieille ferme du champ sud est abandonnée depuis que les obscurités sont là. Si vous faites partir les obscurités, vous pourrez garder la ferme. Ça me ferait plaisir de la revoir en activité. Prenez cette hache et rassemblez de quoi réparer la ferme. 16 de bois. Ah oui, bon, t'en ramasses quand même pas mal. Alors, j'ai 6 bâtons et donc il me faut encore du bois. Par contre, c'est une bonne question. Est-ce que la nature se reforme au fur et à mesure? Ça pourrait être cool. Je sais pas si vous avez... vous jouez à ce jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait. N'hésitez pas donc à me donner des petits conseils, hein. Des petits conseils comme ça, ça pourra m'aider à mieux gérer le jeu. Alors, ah oui, hop. Alors, je vais pas détruire tous les arbres. Hein. Je pense que... Bonjour. Vous avez découvert chat marron tacheté. Plus un chat trouvé à les prairies, 8 à trouver avant d'avoir fini. Oh, mais il y a tellement de trucs à faire ici, mais c'est hallucinant.
Hop. Et en plus, la luminosité s'adapte quand même pas mal dès le départ. J'aime beaucoup. On va ramasser des lianes. Alors, je vais pas retourner tout de suite dans la caverne. Je pense qu'on fera ça dans un prochain épisode. Juste histoire de se laisser aussi du temps. Du temps pour faire. Pour d'abord s'occuper d'autre chose. Hein, parce que revenir dans la caverne, c'est retourner en arrière et tout. Et c'est sûrement plus intéressant pour l'instant. Hop. Alors. On récupère donc des graines en cassant tout ça. J'imagine qu'on va pouvoir bientôt apprendre aussi à faire à manger. Alors maintenant, il faut que j'aille à la ferme du Nord. Alors attends. C'est comment déjà pour activer la boussole? B? Non, je sais plus. Bref. On va essayer de se grouiller. Ouh, il y a une ville là-bas. Est-ce que ça correspond à ça? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est là-bas où il y a une ferme. Wow. Donc c'est là où il y a retirer les obscurités. Pour purifier les obscurités, il faudra utiliser les esprits que vous avez trouvés. Mince, il me manque des esprits. J'ai pas assez d'esprit. Alors. Jour 2, année 1. Alors ça veut dire quand même qu'on va passer du temps. Minerai de plomb. Oh, génial. Est-ce que c'est de la mine, ça? Je pense que c'est du minerai. Alors. On va faire tout le tour, hein, tant pis. On va faire tout le tour et on va essayer de trouver donc notre... Essayer de trouver ce qu'il faut. On va essayer de trouver un deuxième esprit. Sinon, au pire, il y a d'autres quêtes hein, qu'on va pouvoir faire aussi. Alors, déjà, on va retourner ici. Tout simplement parce que... c'est ça. Pour ça. Il y a la caisse. Il y a toujours des trucs intéressants dans les caisses. Fagot de bâton. Vous voyez, je vous l'avais dit. Ah, et en plus, ça se régénère. Donc... Tout ce qu'on récupère finit par revenir. Est-ce que ça veut dire que je peux récupérer un nouveau collet là ici? Non.
Bon, tant pis. Même qu'ils apparaissent à des endroits où... Oh, un chat! Je l'avais pas vu celui-là. Ça veut dire que... Oh, il va falloir tout fouiller. Genre, mais vraiment tout fouiller. Oh, ça va être d'une galère. Enfin, disons que pour vous, ça va être chouette. Mais pour moi, ça veut dire qu'il va falloir que je retienne aussi tous les endroits qu'il y a. Et donc, ce que je vais pouvoir aussi récupérer. Alors, maintenant... Maintenant... Moi j'ai entendu un chant. Alors on va essayer d'explorer le reste de la prairie. Et donc ici on a tout exploré. Je crois que... Juste un truc que j'ai pas regardé, c'est entre les arbres, si éventuellement il n'y avait pas quelque chose d'autre. Des fleurs, bon, ça peut toujours être utile. Il y a plein d'endroits où il y a des où il y a ces trucs violets, donc je pense que ça doit être là où il y a le mâle qui s'est infiltré. Bon, en attendant, je récupère des ressources, hein, c'est pas de peine perdue. C'est juste que du coup, il faut que je trouve un deuxième esprit. Bon, c'est un premier épisode, hein. De toute façon, vous l'aurez vu, vous l'aurez compris, je pense que j'accroche quand même plutôt bien à ce jeu, il est vraiment très très joli, donc on va se faire un petit plaisir de le faire de bout en bout, de tester, bien entendu, de voir ce que la bête a dans le ventre. Je vais faire autant d'épisodes que possible, hein, et comme ça vous aurez du contenu à foison pour les vacances, puisque je vais bientôt partir en vacances, ce qui fait que je serai sûrement un petit peu moins présent. Oh, un chat! Génial! Il n'en reste plus que 6 à trouver. Est-ce que je peux accepter plusieurs quêtes en même temps? Ça, par contre, ça m'intéresse. De la ficelle. Oh, allez, on va accepter cette quête aussi. Oh, bonjour! On m'avait bien dit qu'il y avait une nouvelle tête dans la région. Vous voulez apprendre le commerce, hein? Eh bien, il ne suffit pas d'échanger des trucs contre des machins, vous savez. Un marchand doit se montrer créatif. Oh. Regardez. Allez me chercher une liane et 3 bâtons et je vous révélerai un secret de la profession.
Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Vous saurez ce que Guy le Marchand veut nous dire dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si ça vous plaît. Moi, franchement, je suis un petit peu en mode... c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Et ça me fait juste plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Donc, un petit pouce vert, un petit like... Et ça fait toujours très très plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et oh non, il se met à pleuvoir. Je vous fais des gros bisous. À ciao, bye.